Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne MDS Geek. Aujourd'hui, nous sommes là pour un super tuto sur mon Android, comme vous pouvez bien le voir, sur mon Android. Ok, qu'est-ce que je vais vous apprendre? Je vais vous apprendre à envoyer un texto gratos, gratuit quoi. Vous voyez, vous allez envoyer des textos partout dans le monde, gratuit, gratuitement. Donc, il suffit de mettre le numéro de la personne qui vient de l'envoyer. Donc, c'est là où vous avez besoin d'un nombre SMS. Et puis, vous allez avoir besoin de l'Internet. Donc, c'est tout cela qui vient. Comment avoir l'Internet gratuitement sur son téléphone, sans forfait et sans crédit. Vous voyez? C'est super. Ça paraît tout bien. Nous allons tester. Donc, qu'est-ce qu'on va voir en premier lieu? On va vérifier sur mon Android. Est-ce que si mon internet, ça va. Donc, vous voyez, comme vous pouvez le remarquer, juste en haut, il y a le symbole de la connexion Wi-Fi. Vous voyez? Donc, je désactive la connexion Wi-Fi. Je désactive. Donc, je vais désactiver. Maintenant, nous allons rentrer sur un de mes navigateurs web. Voilà. Donc, comme là. Nous allons taper Google. Voilà. Donc, si vous voyez très bien mon écran, ça me renvoie sur mon opérateur réseau. Si vous voyez très bien mon écran. Ok, désolé, j'avais désactivé la connexion dans mon antenne. Donc je suis obligé de garder notre wifi actif pour le moment. Donc notre wifi est actif. Donc si je vais vous montrer ce qui va montrer, vous voyez, nous avons l'opérateur du Ok, nous allons voir qu'est-ce qu'on peut faire dans mon téléphone. Voilà. Ça vient ou ça ne vient pas? Voilà. Dans mon téléphone, c'est un wifi. Voilà, donc c'est bon. Donc vous voyez, le reste, ça va monter. Ça va monter que ma balance. Donc il faut charger. Donc sur mon compte, j'ai moins 108. J'ai moins 108, donc on me recommande de s'installer sans compter. Groupe, c'est la monnaie 8. Vous voyez, donc j'ai moins 108. Donc, vous savez que je ne peux pas utiliser la connexion. Vous voyez, je ne peux pas utiliser la connexion. Donc, je vais vous montrer un petit logiciel qui vous permet de créer gratuitement sur Internet. Et je vous dis bien, gratuitement sur Internet. Gratuitement. Donc, pour cela, vous avez besoin Play Store. Nous allons dans Play Store. Nous allons dans Play Store. Oui, Play Store. Voilà. Donc nous allons dans Play Store. Nous tapons dans la recherche. Donc vous tapez dans la recherche. Voilà. Pacientes, el paciente. Voilà.
salon télécharger. Bien sûr, je connais que mon téléphone et mon ordinateur. Vous voyez, donc, ce n'est pas le difficile de faire ça. Parce que vous voyez très bien le temps. Donc, c'est pour cela que j'aimerais désactiver le Wi-Fi pour faire le test et vous montrer comment ça marche. Mais, dommage. Mais quand même, ça va marcher. Donc, pour cela, il faut me suivre pas à pas. Pas à pas. Ne zappez pas la vidéo, regardez la vidéo en intégralité et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, nous allons rentrer dans Google. Voilà, donc c'est là. Là. Voilà, donc, OK. Donc, ça, c'est l'intérieur du Freedom. Et vos Freedom. Voilà, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans Paramètres. Voilà, voilà. Ensuite, vous allez chercher, vous allez rentrer dans connexion. Voilà, donc dans connexion, vous allez changer tweet. Vous pouvez mettre China, la Chine. Voilà, donc vous voyez mode de connexion. Vous allez changer ça en. Voilà. Donc, si je ne prends pas le tuto, c'est fini. Là, c'est fini. Donc, normalement, je devrais avoir l'interaction. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous allez venir, vous allez taper sur connexion. Connexion, en bas de la page. Ah, voilà, en haut de la page, vous avez connexion. Connexion, vous tapez. Your Freedom demande l'autorisation de contrôler une connexion qui va lui permettre de contrôler le trafic. Réseau. Accorder l'autorisation unique s'il s'agit de sources, bien sûr, puisqu'on a cherché dans Playstore. Voilà. Donc, on a cherché dans Playstore. Donc, voilà. Et un point apparaît en haut de l'écran. Le VPN est en cours d'utilisation. Donc, je ne sais pas, puisque quand je tape OK, voilà, donc, vous ne voyez plus mon écran. Donc, dès que je tape sur OK, ma connexion Wi-Fi se désactive automatiquement. Je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Je crois que vous ne voyez plus mon écran. Voilà, vous ne voyez plus mon écran. Donc, la connexion Wi-Fi se désactive du coup. Donc, la connexion, peut-être que vous pouvez voir l'écran de mon téléphone ici. Vous allez voir ici l'écran de mon téléphone. Donc, qu'est-ce que... Ah, ça vient. La connexion est venue. Donc, vous voyez. Donc, ce qui fait que je vais vous montrer où est le Wi-Fi. Vous voyez, je clique sur le Wi-Fi. Je le désactive carrément. Donc, pour qu'il n'y ait pas de doute. Vous voyez. Donc, le Wi-Fi, je l'ai carrément désactivé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons chercher. Vous voyez que ça bouge. Il y a des symboles dans, il y a des signes, des diagrammes dans les clics, dans Your Freedom, qui prouvent qu'il y a bien la connexion. Voilà. Donc, maintenant, je crois que vous voyez mon écran. Je crois. Ah non, vous ne voyez pas encore. Puisque c'est une bonne connexion, mais. La connexion, je crois qu'elle n'est pas très forte pour pouvoir partager sur l'ordinateur. Ce n'est pas une connexion à haut débit. Voilà, mais vous avez l'internet. Vous pouvez envoyer des SMS. Voilà. Donc, vous pouvez certifier tranquillement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Je vais vous montrer le test sur mon téléphone. Donc, pour que vous voyez. Je vous montre encore le Wi-Fi qui est désactivé. Voilà. Donc, on avait déjà vérifié au début que je n'ai pas de forfait. J'ai mon 108. Mon 108. Voilà. Donc, ici, nous allons rentrer dans le navigateur. On va rentrer dans le navigateur. Je cherche le navigateur. On va rentrer dans le navigateur. Voilà. On prend le navigateur.
suivante, s'il vous plaît. Voilà, je suis rentré. Donc, je clique sur le navigateur, je tape Google. Donc, nous allons avoir ça. Bien, comme vous voyez, c'est venu. C'est là, Google. Ouais. Donc, la connexion marche bien. Bien. Donc, je vous prouve encore que le Wi-Fi n'est pas activé. Vous pouvez le voir. Le Wi-Fi n'est pas activé. Donc, la connexion a bien et bien marché. Donc, je réactive le Wi-Fi pour pouvoir montrer l'écran de mon téléphone. Voilà, donc la connexion marche. Essayez-le chez vous si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, contactez-moi. Écrivez-moi en commentaire ou bien tweetez-moi ou bien trouvez-moi, rejoignez-moi sur Facebook. Donc, je vous répondrai. Je vais vous donner comment faire. Très bien. Voilà. Donc, maintenant, nous venons au point où je vais vous montrer le plan, le programme, comment il se nomme. Free SMS. Voilà. Donc, pour que vous mais sans forfait, c'est-à-dire sans forfait et que sans crédit, pour que vous puissiez envoyer des SMS à vos amis. Voilà, donc ici, je sais que vous partagez. Ah, c'est venu, mais la connexion, elle n'est pas très forte, elle n'est pas mal. Donc, je réactive. L'essayer chez vous. Si ça ne marche pas, laissez-moi un commentaire et demandez-moi un commentaire. Je vous explique. Tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On vient à l'autre programme qui se nomme, si je ne me trompe pas, c'est un petit joli nom là. Un petit joli nom. Se nomme SMS. SMS free. Donc vous allez télécharger SMS free. Pour cela, vous allez venir ici dans Play Store. Ici sur Play Store. SMS. Vous tapez seulement SMS. SMS gratuit. Donc SMS gratuit. SMS gratuit. Voilà, c'est là. SMS gratuit. Je vous montre. C'est là. SMS gratuit, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. SMS gratuit. Donc, SMS free, mais en français. Donc, vous allez installer ce logiciel. Accepter. Donc, le patient dose. Un peu de patience. Voilà. Donc, tranquillement, vous allez avoir le logiciel. Voilà, nous allons ouvrir la table. Nous allons ouvrir ensemble. Voilà, mais il y a un peu de temps à de pub, mais ça ne dérange pas. C'est leur moyen de gagner de l'argent aussi. Donc, vous tapez sur SMS, send SMS, voilà. C'est simple comme de l'avoir. Send SMS. Send SMS.
Voilà, donc vous voyez en bas 5 SMS, vous cliquez là-dessus. Après, ici, il y a 00. Donc 00, je mets mon propre numéro de téléphone. Je n'ai pas envie de mettre mon numéro parce que je veux partager avec le monde. Donc là, vous allez mettre un numéro quelconque qui vous plaît. Il faut que les numéros soient opérationnels. Par exemple, si vous êtes en France, vous allez mettre, je ne me trompe pas. Si vous êtes, en Russie, vous allez mettre 7. Si vous êtes au Mali, vous allez mettre 223, etc. Donc, il suffit de le mettre et puis d'écrire un petit message de quelques lignes, de 10 mots comme ça. Voilà, de 10 lettres, ou de chiffres. Voilà, composé de 10 symboles quand même. Ou bien un peu plus. Voilà. Donc, bonjour. Je vous aime. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Je vais faire des super vidéos sur le gaming. Donc, pour ça, si vous connaissez ma chaîne, c'est bien. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre où se trouve ma chaîne. Je vous montre où se trouve ma chaîne. Vous allez taper dans votre navigateur. Ah, voilà. Je suis tombé ici. Mais si vous voulez retrouver ma chaîne, vous tapez simplement dans le navigateur. Vous allez taper MDS. MDF Ziggy. Voilà, vous tapez MDF Ziggy. Donc, j'ai mon Facebook. Vous pouvez me suivre sur Facebook. Pas me suivre, mais me rejoindre. Puisqu'on va chatter, on va discuter. Voilà. Donc, vous venez sur mon Facebook. Si vous voulez mon YouTube, vous pouvez taper sur vidéo. Peut-être ça va venir directement. Donc, vidéo, vous voyez, vidéo. Vous tapez ici, comment installer, ici c'est comment installer un système X, vous téléchargez ici, et puis ici c'est sur l'Unix, vous téléchargez là. Tais-toi. Bon, ici, dans Tais-toi. notre cas. Tais-toi. Voilà, donc vous cliquez sur ma chaîne. Je n'ai que 18 abonnés puisque je viens tout juste de commencer à faire la vidéo. Voilà, à partager, c'est une passion pour moi de faire la vidéo. Donc, à partager ma connaissance avec le monde. Donc, je fais le gaming. Vous venez sur ma chaîne, vous allez regarder mes vidéos, vous allez vous abonner, vous allez partager, c'est comme ça que vous m'encouragez. Voilà, donc sur ce, je crois qu'on s'est tout dit aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée à votre famille et prenez bien soin de vous. Et revenez sur ma chaîne MDS Zigit. Voilà, bye.